What's going on, guys? Awako from Revolution here with Alan Cheeser. He is the co founder of Cirque du Soleil, which is, how should I put it, probably one of the coolest and most important new companies creating high complications for some of the best known brands in the industry. And Alan is a high complication guru, right? <laughs> Can I call you a guru? Oh, if you want, yes. Um, so, Alain, today we're going to discuss one of my favorite watches called the Jean Bugatti. It is a watch with two flying tourbillons, but also a chronograph that is a retrograde seconds that jumps every 10 seconds on top of that, has a five hertz balance wheel specific to the chronograph function, and incidentally has just won the Revolution Award for Best Chronograph of the Year. So, congratulations. Yeah. Thank you. Yes, thank you. So, okay, let's talk about this watch. First of all, talk about the Jean Bugatti inspiration and how you and Jacob worked together on the creation of this. Alors, la collaboration sur ce projet a débuté donc par la volonté de faire une pièce exceptionnelle pour, euh, pour Bugatti, Jacob Co, euh, mm. de créer en fait ce mélange un peu vintage euh, entre l'horlogerie très traditionnelle et le monde de l'horlogerie de Bugatti. On est parti sur l'idée d'un compteur de voiture, donc vraiment d'avoir les aiguilles comme quand on accélère, d'avoir des aiguilles qui montent, qui redescendent, vraiment ce mouvement très particulier, et d'avoir une lecture vraiment centrée sur ce chronographe. so Alain, how did you come up with this configuration where you have a retrograde hand jumping back every 10 seconds and then you have a 10-second counter and uh, the fact that you've got this, so much dynamics that are on the dial and then on top of that you want to have a digital minute counter? you know, that's crazy. alors, les chronographes rétrogrades, c'est extrêmement complexe à faire. c'est vraiment une des complications les plus dures parce que c'est beaucoup d'énergie pour avoir l'aiguille qui revient en arrière. Euh, pour avoir un fonctionnement propre. Euh, la configuration a été choisie de cette manière pour vraiment permettre cette lecture centrale du chronographe, une lecture directe, donc on vient lire la minute, la dizaine et la seconde, avec une lecture très précise sur la seconde, donc où on peut vraiment voir euh, le, le, ben le dixième de seconde si on veut. On arrive à lire, ben tiens, on est à une seconde et demie, une seconde trois quarts, pas exactement le dixième, mais quand même très précis. And Alan, you know, tell me a little bit about how you decided to use a balance wheel that's vibrating at five hertz. So as you were saying, accurate to one tenth of a second, which thanks to the beautiful configuration of the dial, you're able to read accurately. Why this balance wheel used only for the chronograph? Alors, l'idée c'est que on a besoin d'énormément d'énergie pour faire un chronographe qui est autant précis au niveau de sa lecture et avec une aiguille rétrograde. Donc c'est vraiment de prendre un élément qui va servir uniquement à ça. Ça évite de perturber en fait l'heure. Donc on a vraiment la fonction qui est purement dédiée au chronographe et l'heure fonctionne sans être perturbée quand on enclenche ou pas le chronographe. Incroyable. And am I correct it's just this barrel here that is the barrel specific to the chronograph. Oui, c'est ça. On a vraiment le petit barillet à l'arrière qui est pour le chronographe où on vient le remonter simplement avec les autres barillets. Donc on a une seule fonction de remontage ah. qui permet de tout remonter. So when you wind it, you're winding everything. You're winding the barrel for the timepiece and for. Oui. The, and how long does this barrel last in terms of powering the chronograph? Alors le chronographe, il fonctionne à peu près pendant quatre heures. c'est incroyable, voilà. 4 heures. Donc ce qui permet en fait de faire plus de huit fois la fonction complète de 30 minutes. And tell me, for the underlying timekeeping function, what are these two tourbillons? Like, which one is giving the time uh, indication, or are they both giving the time indication? And also, why are they behind two pieces of smoked sapphire crystal so you can barely tell that there's two flying tourbillons here? Alors, le tourbillon qui indique donc l'heure et la minute, et le tourbillon qui a cinq heures, et ensuite le design... de cacher légèrement les tourbillons alors qu'ils sont incroyablement décorés. C'est vraiment une volonté de de Jacob euh, qui qui souhaitait avoir ce design ou c'est pas ça qui est mis en avant mais vraiment le chronographe. I just wanted to show you one thing here which I love which is the reset function of this retrograde chronograph. I love the fact that the 10th of the second jumps immediately back but the second hand it... Alors, on a vraiment choisi avec ce balancier qui start et qui s'arrête euh, au start et au stop, euh, d'avoir une cam en fait, on continue qui vient lire la dizaine de secondes. Et c'est ce saut de dizaine de secondes qui va venir entraîner tout le reste. Donc, il va venir entraîner la dizaine, il va venir entraîner la minute. Et en fait, pour finir sa fonction. On peut pas mettre un cœur dessus. On doit vraiment lui laisser finir la fonction. So you couldn't put a, a, a heart cam and with a, a reset hammer, you have to let it go all the way Exactement. to the end and jump back. Oui. Yeah. it's incredible, you know. Do you feel that maybe not enough people understand all the technical um, innovation that went into this watch because it's a huge amount of innovation? Je pense que dans l'industrie horlogère, les gens se rendent compte de la complexité du, du travail. C'est vrai que c'est beaucoup d'années de travail pour arriver à un résultat euh, qui, est, qui est excellent, euh, parce qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir, beaucoup de challenges, beaucoup de tests pour réussir. Et je pense que les gens qui, qui sont dans l'industrie réalisent en fait la complexité. Tell me a little bit also about the movement construction. What I love is the way you create the levers for the chronograph in this very beautiful, what I consider to be socte de style, which is very thin, very elegant. And is it also using laser engraving to cut out all of the the skeletonized parts? Exactly. It's vrai qu'on s'est un peu inspiré de la Twin Turbo Furious, euh, avec ses designs de bascules qui sont extrêmement légères. Euh, après, il y a une raison technique aussi, c'est vrai que c'est des pièces qui vont très vite, plus right. elles sont légères, plus c'est efficace. Alors, il y a beaucoup de finitions qui sont faites directement par l'horloger au moment où il assemble. Donc, il vient faire certains polybloqués, il vient faire beaucoup de traits tirés. Et c'est vrai que pour nous, euh, la belle horlogerie elle, est liée aussi à une finition qui soit excellente. We discussed earlier when we were talking about the twin turbo how Jacob is always pushing you to create, you know, new innovations to bring technique and performance to the next level. In what way did the challenges he set for you become expressed in this watch? Alors, c'est vrai que on lui a présenté quelques fois la pièce déjà, et euh, chaque fois il est extrêmement exigeant sur chaque petit élément, sur chaque fonctionnement, que tout soit vraiment très propre, très fluide. Uh, I also love the style and I love the size of the watch. It's really cool because I had never thought about Jacob as being kind of classic and you know a little bit sort of vintage styled, but it somehow has a Jacob DNA to it as well, despite it being a completely different side or different identity of the brand. C'est vrai que on a vraiment ce mélange vintage et tradition et on a aussi cette taille qui est un petit peu plus petite que ce qu'on fait habituellement pour la marque Jacob Co. C'est aussi un des challenges qu'a posé Jacob en disant j'adore ce concept, mais il faut que ce soit petit. Et c'est vrai que c'est toujours un challenge de tout placer dans un petit volume. Ça reste une pièce qui est confortable, qui est portable par tout le monde. C'est une montre vraiment exceptionnelle. Et félicitations encore de gagner le prix de meilleur chronographe de, de l'année. Euh, merci beaucoup. Merci à vous. Cheers.